Allez, on est parti en jeu, Frérito. Je pense que ça va être une sacrée game avec le djinn. Je sens qu'on va se mettre vraiment bien. Et merci Faking Death pour le Prime et le Susucre dans le café pour les 4 mois. Merci pour cela. Amand, tu peux me drop en DM Discord les émotes du train ? Que je regarde un peu, les tirs et tout, que je les vois bien. Genre, il doit y avoir un link. Il doit y avoir un train avec le détail du train de l'hype et les émotes que tu peux débloquer. Il doit y avoir un article Twitch. Allez. On va essayer d'être clean. Je sais pas pourquoi il queue les ranges, mais ok. Fuck. Il a un peu le push. Moi je remercierai tout à la fin là les frérots, je focus dans la game. Notre rôle ça paraît peut-être anodin pour vous, mais je vous avoue que changer de chaise, du coup je suis pas exactement à la même hauteur sur mon écran, ça me fait un peu bizarre. Faut que je me mette dedans là. Tu sais, quand il y a un petit changement sur ton setup, toujours changement qui fait que tu te sens pas forcément comme d'habitude. Je sais pas si ça le fait pour tout le monde, mais dès que je sais pas, tu vois, je change un tout petit truc ou quoi, ça me perturbe. Bon, déjà, le mec en face ne doit pas jouer beaucoup Silas, et je pense qu'il a pas beaucoup joué le match-up contre Vel'Koz. Il est un petit peu clouless. On rate 2 CS gratuits. Un smite. Je peux venir, mais c'est un peu compliqué anyway. On peut double carap, hein. Sur Jean, il a grid pour rien. Le Jean a eu le temps de base. Du coup, le Silas perd tout sous la tourelle. Il a même perdu le canon. Ah ouais, le Silas, il est au max. Il a 14 crit pro. Ça met bien, ouais. Je vais full mettre le Jenny m'a cassé les couilles, c'est un dog. Ok.
Bon. On va avoir bot side ou top side? Bot side, je pense. Ils ont pas de summoner, c'est eux qui ont besoin le plus de cover, je pense. Un pink là. Il a son spike. Bon. Plate, 20 CS lead. Faire une wave entière sous la tourelle quasiment. Plus les creeps de celle-là. Not bad. Ça. On va prendre Dark Seal vu le level de la game. Dommage, t'as pas le chatol. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me fait même pas rire quand les mecs en face tilt ou quoi, c'est juste des cringeurs. Il va penser que je scripte le Silas. Fais le tour là. Bon toutou. Sixen, remplaçant de Marex. Ah, Shaco, c'est fort en ce moment. Hein. Le build Shaco Strike Breaker, je trouve ça vraiment broken. Pas broken. Mais je pense vraiment que le setup est fort et que bah, c'est Shaco en solo queue, quoi. Et vu le level des games avant le chal, je pense vraiment que le setup est pas mal. Strike Breaker, Collector, etc. C'est pas mal, je trouve. Je sais pas qui est-ce qui a créé le build ou quoi. Mais je sais qu'il y a Jogbox qui est en chal et qui fait ce build-là. Jogbox, il est vraiment fort en vrai. Sur Shaco. Je pense que si Marinx se spam Shaco, il va monter là avec le build. Hein. Mais je vois dans le chat ce que vous dites. Je regardais un peu le live de Marinx hier. En vrai, c'est fort. Il est mort un rien contre Silas. Je me tape Camille. Karim full life qui arrive au mid.
Il y a la plate, quoi. C'est que c'est risqué. Elle va fall. Il a start le Drake. Hein. Ça tombe pas? 4 HP, nice. Et pas de summoner. Envie de flip mes shutdown. Karim il est pas au max. Moi j'ai 3k gold. Je vais devoir faire une banshee je pense. On va faire le spike CDR. C'est pas vraiment de l'ARM qui va changer quelque chose, c'est juste du positionnement. Mais le stuff c'est quoi? C'est genre Stride Breaker into... Enfin c'est Berserk Stride Breaker, donc ce que fait Sixen. Et après ils font quoi? Je sais plus s'ils font Collector 2 ou quoi. Je crois qu'ils font une Yumu aussi. Enfin je me souviens plus très bien du but. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a un Collector. Souvent il y a le truc de Penny Armor en pourcentage critique là. Genre... ça là. Dominique Collector. Ah ouais, Sanguine, ouais, c'est ça, Sanguine. Sanguine pour les phases d'assassinat. T'as l'attaque speed, t'as le lifesteal dans la jungle et tout, c'est pas mal. Mais c'est ça, Sanguine, Collector, Dominique. Puis après, je sais pas, je pense qu'il y a des GA, des trucs comme ça. Trop de kills qu'on donne. Ils ont 8 kills en face. Est-ce qu'il a son R, le Karim? Ah. Il y avait le Silas. Il n'a pas de R, Sixen. C'est bof. C'est bof. J'ai donné un shot dans Noeka. Ah, c'était un peu deep, il y avait le... La Kami qui était déjà arrivée au mid, il y a eu le Bard qui a le temps qui est arrivé aussi. Et il y avait la TP de Silas. Pendant que nous, on a un putain de raton laveur qui fait ses courses au supermarché, qui s'est acheté une paire de Zapatos, un arc, un protège-bras et une baguette. Je sais pas trop ce qu'il nous fait.
doit jouer en NFL. Hein. Il a l'air sponsor par Aldi avec son stuff là. Il doit peut-être faire un challenge pour YouTube. Sponsor par Aldi. J'achète un article par rayon. Oh lol. Je sais pas ce que je fais, horizon ou... Je pense que l'antil c'est pas mal quand même. Ça fait chier mais bon. C'est ce qu'on va faire. Je vais groupe mine, ça va forcer sur eux là. Ils ont leur flash. Il a quand même 5 kills le Silas hein. 80 CS mais 5 kills. Bon, faut juste être 3. Hein. Pas pourquoi les mecs en face mettent pas si la sans side. Hein. C'est fine. Il va pas assez gauler. Non, il va faire son respawn de bot side. Peut-être que le Ezreal va venir sur la wave top side. Non. Je pense que personne va y aller. Le truc c'est que ça me fait chier, j'ai rien à acheter là. Il m'a vu. Non, je pense qu'il m'avait peut-être pas vu. Dommage, le tracking était mauvais. Je pensais pas qu'il allait tunnel comme ça. J'ai une baguette, mais... c'est que je revends ping quoi. Je vais rester pour les 600 gold. Le short niveau mana, mais ça devrait le faire. Faut ping là. Faut un kill. Je vais courir bot pour l'assist. Faut que j'ai le kill. Slow-le. Pas très clean l'équerre, mais c'est fine. Faut que j'arrive à voler un creep.
On repart. Il y a le bleu, ça va certainement peut-être grid pour. Après... C'est pas mort, il a flash. Je pense que le Hecarim va grid un camp de jungle. Quoique. Il a pas de ward. Ok. Petit kill. C'était un freinage, je pense. L'ulti de barde hein. Et Karim est up. Pas de summoner un peu risqué. Ah dommage, il va pas proc. On va lui clear un camp de jungle, faut aussi je la T de bot. Mal à comprendre pourquoi on n'est pas en train de siege bot à 5. Oh, il est en train de parler dans le chat. Il met des shrooms, je sais pas ce qu'il fait. Bon, nice. On peut se faire 5 man bot. Lui il va mourir en plus. En tous les cas, le Hecarim a un R s'il faut. Pas besoin. Prennent 3 shutdown. 2 shutdown. À Timo de mourir pour bien se déphaser.
On prend deux, on va bot. Cobot. Peut-être faire un reset en vrai. On a beaucoup de gold. De devoir faire du macro management, mais c'est vrai. Faut juste pass fail parce que du coup, si on force bot et qu'on perd le fight, on perd Nashor, ils peuvent come back, mais. On a juste à jouer clean, en espérant que la team se suicide pas avant, fallait reset. Lui il a au moins 2k gold sur lui. Pareil pour Timo. Ils veulent pas reset, Timo a pas de mana. C'est pointless, faut juste siege. Il va pas intéresser Sad. Écoute-le. Bon. Un peu dommage la mort au bot là en déphasé. Je sais pas. J'ai Jin mid, Pyke qui se promène dans la jungle topside, mon Timo qui parle dans le chat et qui se balade pour mettre des shrooms. Shaco à l'opposé, c'est pas forcément mauvais vu pour appliquer le buff un peu partout, mais c'est grave quand même. J'aurais dû honorer aussi, c'est de my bad. 19, bon du coup on n'est même pas à 2 wins du BO, faut faire 3 wins. Ce qui est pas forcément mauvais dans le sens où ça remonte la MMR, mais on gagne cette game en 29 minutes, on aurait pu la gagner en 19. Mais bon, il y a plein de petites erreurs à droite à gauche. Après, ils auraient pu FS en face, mais... Le cerveau du Jin.